et les couteaux, tous les couteaux, tous les outils et les armes et les objets pour bricoler la journée. On fait avec ça jusqu'au néolithique. Il n'y a que le silex qui est très important. C'est ce qu'on a retrouvé le plus, bien sûr, ça ne pourrit pas dans la terre, donc ça on peut en être sûr. Et puis depuis le néolithique, ils se mettent à polir les pierres, pas seulement les casser. Mais autrement, ça c'est très ancien, ça fait presque 1 million d'années que le tout premier homme il casse pour que ça coupe, pour couper la viande. Surtout quand elle est crue au début, ça la range bien, c'est bien qu'il coupe. Là j'ai un marteau en corne, peut-être en bois, peut-être en pierre. C'est suivant ce qu'on veut faire sur la pierre. Comme un rasoir, très très fin. Mais ce silex, ça se trouve où dans la nature, n'importe où? Surtout dans les régions calcaires, surtout. Donc, au Valais, il y a seulement 3 ou 4 petits gisements, dont un près de l'Oëche, qu'on m'a signalé avant-hier. Dans le Jura, il y a un petit peu plus, mais c'est des toutes petites taches, et après la qualité n'est pas bonne. Donc pour un tel matériel de présentation, nous avons dû aller en Normandie, sur les plages de Normandie, où là elles jonchent les bas de falaise. Tu reconnais un peu? Tu peux garder? Oui, mettons, choisir un qui coupe moins peut-être, ou un plus solide. Moi je te laisse en choisir un dans le tas. Ici, il y a un peu moins de choix, tu peux voir la couleur, la forme. Donc tu peux prendre un pain que tu peux mettre dans le dossier. Regarde ici, on dirait une pointe de flèche, elle est tout plate, tu peux presque le scotcher dans ta page. Ah, super. Par exemple, voilà. Je vais montrer ça à la maison. Ouais. Parce qu'on a appris ça. Et si tu veux, moi je l'ai acheté à cet atelier, je traite à Isilek. Si tu veux, je la retouche pour qu'elle ressemble à une vraie pointe de flèche. Tu veux? Et puis si ça te plaît pas, tu reprendras un autre cadeau en plus. Alors, je vais voir ce que je peux faire, hein. C'est pas une facile, mais je vais essayer de retoucher ce caillou. C'est vraiment ce que tu as fait, ce que tu as étudié à l'école. Tu vois, ça c'est un éclat qui est tombé, on est déjà très près de la pointe de flèche aussi. Mais je vais prendre celui-là, là, et on va essayer. Voilà, je vais plus taper, je vais presser seulement. Et ça va éclater des écailles. On les voit partir, elles partent très vite. Comme la pointe est tordue, je vais enlever ce qui est de ce côté, tout en haut, pour la recentrer. De nouveau, en pressant délicatement. Ah, c'est bien alors. Nous, on a appris les outils qu'ils faisaient. Tu as aimé cette matière? Ouais. C'est rigolo. Tiens, nous, on essaye carrément de voir si ça marche. Je vous raconte si ça marche ou pas. Tu vois, il fait avec la forme. Ouais. Là, c'est ce qu'on appelle la retouche. Ouais. Ouais, bien, bien. Voilà. Super. Tu peux aller regarder dans l'exposition, tu verras qu'il ressemble un petit peu. Merci. Et puis tu peux te montrer une flèche pour le chasseur quand c'est complètement installé. Je suis sûre que tu as prendre ta leçon comme ça. Merci. Regarde. Tu les coller comment? Alors, ça va être du feu. On dirait. C'est une colle naturelle qu'on obtient avec l'écorce de bouleau. Le bouleau était toujours présent, donc il faut une marmite ou un feu, il pourrait un peu d'eau, l'écorce de bouleau, mettez dedans, laissez cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'eau, et au fond il reste un sirop noir comme du bitume au soleil, qui sèche en 2 jours et qui est dur, cassot, très très fiable. Mais vous vivez tout le temps comme ça?
ça c'est le couteau. Alors tu vois, ça c'est un objet très délicat. Il fait un bruit très spécial, comme un cristal. Ah, c'est un drôle de bruit. Ah oui, c'est un bruit cristallin. Alors c'est très délicat. Si ça tombe, c'est brisé. Et puis, ça oui, c'est aussi de la pierre. Alors c'est ce que je suis en train d'essayer de fabriquer, ça. Voilà. Ce gros caillou, c'est aussi un... Alors, ça va le devenir. Là-bas, c'est que ça. Hein. Ça, c'est un caillou, il a un mystère dedans. Ah bon? Il est tout blanc dehors, mais quand on casse, regarde. Il devient orange. Non, il est noir dedans. Regarde celui-là, il est tout blanc, mais quand on casse dedans, il est noir, et c'est dedans que se cache le silex. Donc, on doit ramasser des cailloux blancs pour trouver de la pierre noire à l'intérieur. Et tous ces gros blocs, dedans, c'est tout pour faire des outils. Ils attendent leur heure pour les attaques. Donc voilà un petit peu l'histoire de ces outils. Il faut taper habilement sur un morceau de silex. C'est tout ce que j'ai appris. Ouais, c'est vraiment tout ce que t'as appris. Ouais. Tu vois comme quoi c'est concret ce que t'apprends. Ouais. Tiens, encore celui-là. Alors celui-là, personne ne l'a retouché. On a tapé, il est sorti de la grosse pierre comme ça. Oh. Il ressemble beaucoup à l'autre. On dirait un petit poisson aussi, il est rigolo celui-là. Regardez ça, on pourrait mettre dans le bois, c'est vraiment super. Alors tu te souviendras, t'as rencontré les hommes des cavernes.